Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je commence mon vlog vendredi après-midi. Ma meilleure apparence que j'ai jamais eue avec vous, je pense. Je t'habille du linge, Alexis. Parce que le pitou qui est ici, Goliath, le chien Alexis, ben il a vomi. Je vais t'expliquer, Alexis, qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Ma mère a décidé de t'engeler de l'huile dehors. Ouais. Ça gèle-tu de l'huile? Je sais pas, je sais pas pourquoi elle a fait ça, je pense pas. En tout cas, elle a laissé un pot d'huile dehors, genre. Puis mon chien, je sais pas comment, quand on l'a sorti dehors pour aller juste pour faire ses besoins. Il a décidé de manger la moitié de ce pot d'huile-là. Ouais. Fait que le petit pitou, il a vomi toute la nuit, toute la journée, de l'huile. J'ai jamais fait ça, elle avait un chien de vie, fait que on va prendre quoi, ça a de l'air. Quand c'est mouillé, ça veut pas être mouillé, fait que ça se. Ah, fait que je vais me faire arroser. Ça va me poil partout, puis ça va me sortir. Toujours plaisant. Puis c'est ça, je porte, là j'ai ma poignée sain, mais je porte le chandail de quand Alexis a été monté l'Everest. Fait que je fais un petit peu de pub, là. Mais oui, mon chum. Il est dans le dos. Attends, c'est lui. Alexis, il a monté l'Everest. Je sais pas comment faire ça, là. C'est le nom d'Alexis, c'est à l'envers, hein, je pense. Non, on s'en fout, là, tu peux même pas lire ça. En népali. Ben, je porte des sweatpants. Je suis pas capable de les rendre en vert. Pauvre petit pète. On va prendre un bain? Opération terminée. Mon ami Goliath. Là, il est tout pas beau. Parce qu'il a l'air super comme un rat, je trouve. Oui, aujourd'hui là, j'ai mangé tellement quelque chose de merveilleux dans ma vie. Celle là-dedans là, c'est comme la trempette de légumes, mais c'était pas la trempette de légumes. C'était une salade de fruits que j'ai faite hier. Oh, j'ai vu ta vidéo sur Instagram. Ouais. Ça a l'air bon. Genre au début, je faisais une salade de fruits, mon bol était immense, mais pas assez gros. Donc finalement, je fais deux immenses bols. C'est trop bon. Fait que là, j'ai mangé ça. Après ça, dans ce bol-là, le aussi est vide parce que ça aussi c'était trop bon. Ok, je mange trop bien aujourd'hui. Ouais, ça, c'était vraiment bon, j'ai eu la chance de goûter là. La chance? La chance de goûter. Peut-être que j'avais mis des amandes dedans pour que ça. Non, c'est vrai. Ok, là-dedans, là, il y avait une salade de couscous avec des graines de sésame grillé. C'était trop bon. Tout. Puis j'avais fait du saumon. Ça sent encore? Ah oui, hein? Ouais. Les amis, j'ai fait le meilleur saumon de la vie. Pour vrai, j'appuie. C'est très très, très bon. J'avais fait des asperges. Parce que c'était vraiment bon pour la santé. Puis tout, ouais. Là, c'était trop bon. Oh mon dieu! Et là, Marie-Kim s'en va en français. Dans 20 minutes. Et moi, je vais faire les tests de physique. Ben, les tests physiques. Genre courir, faire des abdominaux, faire des jambes, faire des bras. Mais je ne sais pas vraiment parce que c'est formatif. Miro, on te voit rarement comme longtemps. Miro, il est vraiment un peu parce qu'il est tout pété aujourd'hui. Miro, il est vraiment. Il est vraiment mignon, genre il est vraiment cute, il est vraiment gentil, il est super respectueux avec les femmes. Si vous voulez un nouveau chat, Miro est là pour vous. Ouais, moi j'ai quelque chose à dire sur Miro, c'est oui. Vraiment cute. Ah, regarde, il vous donne un poisson, gang, là, il est trop gentil. Des fois que je me lève pour aller chercher quelque chose, là, ou si mettons mes papiers sur l'imprimante, là, il court, non, reste assis, il va me les chercher. Ouais. Il fait ça avec tout, là, il est vraiment gentil. Moi, quand je sens les marches, il est poussette, les marches, avant que je descende. Miro, c'est un homme de grand cœur. C'est supposé être privé, bien sûr. Mais là. T'as un grand cœur. Et on est en train de faire une déclaration d'amour. Ouais, t'as un grand cœur, t'es vraiment mignon. Moi, je trouve trop mignon. Nous sommes en route pour aller à Laval. Laval. À Laval. Laval, je vais te saluer. Voir Anto. Oui, Marie-Kim est de Laval, si vous ne savez pas encore. C'est de la valoise de cœur, mes amis. Et puis, c'est ça, on sort Anto. Puis là, je suis full excitée parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Puis on va faire une petite entrevue, puis l'autobus et les gens me regardent clairement dans l'autobus scolaire, mais c'est pas grave. J'allais complètement oublier de finir avec Anto. Je vlog aujourd'hui. Puis... Oui, j'ai oublié, puis j'ai full te présenter. J'ai pas été toute la journée. Est-ce que tu apparais sur YouTube? Hein? Est-ce que tu fais sur YouTube ou non? Okay, je peux m'enlever de l'auto. Non. Non, non, ça me fait plaisir si tu restes là. Okay. Mon David. Allô David. Puis moi-même Anthony. Anthony, vous connaissez. Okay, je vais juste te présenter parce qu'on n'a pas été toute la journée puis on t'a pas vu. Mais là, t'as un peu le temps de me filmer comme ça. Je vais réapparaître dans un autre vlog, ok gang? Soyez pas. Oui. Ok, merci. Bye. Comme vous avez pu voir, j'ai presque oublié de vlogger avec Anto parce que... Mais tu sais, c'est comme ça de penser quand tu fais un travail d'école puis comme... Tu sais, je veux dire, quand tu passes un bon moment, tu penses pas à sortir ta caméra, genre, pis comme vlogger, là. Mais Marquée est là pour la ramener à l'ordre. Toujours. Toujours. Pis, si on parle de,
Centropolis de Laval. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est le Laval. Laval, je t'aime. Marie mange des carottes. Mm-hmm. Puis moi, je finis mon café, mais pour vrai, c'était full le fun. Là, en tout, c'était full, autant j'avais pas vu. Cute. Ouais. Vraiment cute. Je le trouvais déjà cute dans ces vidéos, mais là. En tout, j'aimerais que ça soit mon frère, genre. Ouais. Comme mon voisin. J'arrête pas de lui dire, je suis comme. J'aimerais que ce soit ton frère parce que. Non, vas-y. Non, vas-y. Il me trouve ça assez weird de vlogger, Kim. Gang Sud, Montréal. Non. Comment non? Oui. Excuse. Je pense que j'existe parce que j'ai eu un bug mental, là. Mais. Si je faisais juste écouter des voix, je me demandais non. Non. Est-ce qu'il fallait prendre la Nord? Ah non, c'est beau, là. Non. On prendre... Oui, on va aller prendre la 440. Concorde, Notre-Dame. Non, on va arriver directement. Non, France. On va aller. On s'en va prendre des carrés, là. C'est la pire place de trafic. On va pas y aller à 15 jusqu'à la 40, là. Fallait prendre la 15 Nord. Ah, oui. Non, ça va chez Alexis, genre. C'est tellement trop haut quand ils chantent. My life champion. Yes, please. Don't you gotta get it for me. Est-ce que ça filme? Oui. Oui. Ok. Hey, je suis pas allée ça faire avec des gens comme les gars. Ok, bonjour tout le monde. Alors, ce matin, nous sommes le 17 mars. Oui. 2015. Et puis, pour poursuivre notre projet vu sur YouTube auquel vous avez tous participé. Eh bien, on est en présentation orale devant la classe. Ouais. On remet notre version 1 de projet, puis on va avoir des commentaires et tout à la fin, donc c'est ça. On va demander à quelqu'un de tenir la caméra encore une fois pour environ 1-2 minutes pour le début de notre oral, si c'est possible. Y a-t-il quelqu'un qui se pose volontaire? Juste tenir normal, là. Merci, Léa. Ok. Caro, arrête sur YouTube. Let's go. Bonjour, ça c'est Caroline Chabot. Elle est vraiment chic. Oh, j'en ai son arrêt encore. Oh my god, zoom pas s'il te plaît. Oh, ces filles-là sont vraiment hot en passant. Genre, elles sont tellement cool qu'on va à des armes ensemble. Ok, tu peux retourner la caméra. Jusqu'à manger du risotto aux champignons puis ça pue. C'est vraiment bon, ok? J'ai réalisé ce matin que qu'est-ce que je pense que je vais faire avec ma chaîne de vlog, c'est que je vais faire des weekly vlogs. Donc, ça va être un vlog par semaine en ligne qui va représenter ma semaine au complet. Puis là, je suis vraiment essoufflée parce que ça fait un petit bout que je marche puis avec le froid, je sais pas là, mais quand il fait froid, je suis toujours un peu plus essoufflée. Puis, c'est ça, je vais faire ça comme ça, je vais juste vlogger un petit peu à chaque jour, que je fasse quelque chose de super fun, quelque chose de plus relax, puis tout combiner ça en une vidéo. Aujourd'hui, on est arrivé à Repentigny, on est mercredi, le soir, ouais. Et puis on est venu, ouais, on est venu aujourd'hui voir Alex, parce que on a une entrevue à faire avec elle, ouais. Pour notre projet d'école, mais là il y a tellement de monde que... On peut pas qu'on la déconcentrer. Allô! Donc, on est présentement. C'est trop malaisant. On est au. Chez Alex en réalité. Je peux continuer. Et puis, ok, tout le monde en casse, allez, il y a deux secondes. On est à l'événement d'Alex et puis là il y a beaucoup trop de monde, c'est vraiment malaisant. Non mais c'est vraiment cute. Mais pour toutes ceux qui sont venus voir ma Marie-Kim, là, vous êtes vraiment trop mignonnes. Vous êtes vraiment mignonnes. Vous êtes toutes trop belles. Puis oubliez pas de m'envoyer vos photos si c'est pas déjà fait parce que moi j'aime les envoyer si je l'ai. Ouais, ou c'est taguer Marie-Kim sur Instagram, c'est là qu'elle va les voir. Je suis dans les condos. Je m'excuse les amis. Donc là il y a d'autres monde qui arrive, donc on va commencer à prendre des photos encore. Bye! On est présentement au Saint-Hubert avec Marie-Kim et la jolie Alexandra. Hey. Tu la connaissais toute sûre. Puis comme on vous l'a dit, on faisait un projet avec elle aujourd'hui. Oui. Puis elle a répondu à nos questions. Fait que là on va aller faire la route parce qu'elle s'en avait pas mal à faire. Puis je pense qu'on est toutes fatiguées malgré la belle journée qu'on a eue. Ouais. Quand même une grosse journée. Ouais. Mais il y a la route qui nous attend. Oui. C'était le fun quand même, notre souper. J'en regrette pas, ben, ça valait la peine. Mais on est présentement jeudi, puis j'ai pas bloqué de la journée, mais il est rendu 4h de l'après-midi en soirée. Et puis là, je suis comme toute prête parce que non, je m'en vais pas travailler. Je m'en vais à un autre événement YouTube.
Donc je vais voir toutes mes amies YouTube que je vois vraiment pas souvent. Plein minettes sont vraiment sages, m'excuse. On s'en va à la salle pour un événement avec Guerlain, donc la compagnie de maquillage Guerlain. Là. Moi j'ai comme vraiment hâte là, parce que c'est comme une mini formation en même temps. Puis je pense que c'est comme pour leur lancement, leur nouvelle collection. Mais en plus la compagnie, nous on l'a au Pharmaprix où est-ce que je travaille. Puis je connais pas tant que ça la compagnie. Fait que je pense que ça pourrait m'aider aussi autant avec mon travail. Là. Fait que c'est vraiment comme un 2 pour 1 en réalité pour moi. Et puis c'est pas mal ça, je vais vous montrer ce que je porte parce que je devrais partir dans pas trop longtemps. C'est sûr que Guerlain c'est pas comme Dot et Lil, là. Il y a comme 2 semaines c'est vraiment plus luxueux et plus chic. Mais je vais quand même rester confortable et moi-même là. Donc tu sais, je me voyais pas mettre une robe disons ou quelque chose du genre. Fait que je me suis mis des leggings. Les mêmes que j'avais mis à Dot et Lil, là j'ai mes pantoufles, excusez-moi. Avec la ligne comme ça que je vais mettre un rouleau là, parce que là ils ont plein de poussière et de poils de chat. Et puis j'ai mis un t-shirt, c'est genre un mini t-shirt vraiment basic là, que tu sais si je porte tout ça, ça paraît vraiment pas chic. Qui vient du Forever 21, mais ça fait comme pour vrai je pense 4 ans que je l'ai là. Fait que c'est ça, j'ai mis ça avec mon petit boyfriend veston comme ça du Dynamite qui est comme loose. Fait que c'est comme un mélange entre un cardigan puis un veston.